quand j'aime voir les discours d'un prédicateur authentiquement ouais, se faire accompagner des signes, des prodiges et des miracles. Quand il parle, le ciel approuve ses paroles et Dieu se manifeste afin que nous continuions à croire dans une génération perverse, égarée, athée. On continue à croire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Comme du temps d'Élie et des prophètes. Il faut absolument. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Les discours des pasteurs sont devenus trop philosophiques. Et comme le public ne lit pas assez, on croit que c'est un bon pasteur. Parce qu'il prêche un bon français. Mais dans tout cela, il est incapable de mobiliser le ciel pour que le ciel vienne dans le cœur de Jean. Je te rappelle, le monde dans lequel nous sommes est un champ de bataille. Prie, décide-toi de mettre les gants. Bats-toi à chaque étape de la vie, même si tu as les premiers signes, continue à te battre, fonce, et tu connaîtras des choses qui se cachent de l'autre côté. Parce qu'il a dit, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Shalom peuple de Dieu, Libotana Nzambe, bienvenue dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Bolo à l'international, en direct de l'Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg. Grand merci de choisir ce programme. Merci à tous les hommes de Dieu qui vont suivre ce programme, les éminents serviteurs, apôtres, bishops, évangélistes et tous les cinq ministères. Nous vous saluons. Vous comprenez que nous sommes dans le cadre évangélique. Nous voulons parler un peu les in and out de l'église et spécialement ce qui se passe à Limété. 8e, 7e rue? 8e rue, là où dirige les chandeliers, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, que nous saluons en passant. Et pourquoi pas tout le collaborateur, les dirigeants de l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore une fois à notre coordinatrice qui nous fait confiance. Aussi, bien sûr, grand merci à mon frère, mon collègue, les services, hein, les maestros dans les médias, Embolisation, Thierry Emboli, maestro bazar dans la musique, mais maestro bazar, all in one. Caméra, présentation, réalisation. Il y a propre côté là en classe. Coup de chapeau à toi, l'immobilisation. Voilà, nous allons recevoir un de fidèles, un des membres. Il est aussi leader dans le ministère. Amen. Dieu a permis que nous puissions nous revoir encore ici en Afrique du Sud, après avoir renté un peu de temps de rendez-vous. Mais le Seigneur a permis que tous à l'ensemble, nous allons discuter un peu par rapport à vos préoccupations, les enfants de Dieu, les téléspectateurs. Ce qui se passe dans la 8e rue et dans la au détriment d'humain, parole, action de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, que je salue. Bien sûr, je passe aussi pour saluer le pasteur Didier Mayamba, Oyapesi Bisonzela Tosololana, le frère exorcé. Shalom Motonazam. Bonjour Papa Boloa et shalom tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Croyez-moi que nous passerons de très très bons moments. Où que vous soyez, soyez bénis. Voilà, parlons un peu de EMI, hein, École de ministère international. Comment ça se passe? Nous avons passé de très bons moments avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, dans l'école du ministère international. Pas seulement l'école du ministère de Kinshasa, mais international. Nous avons reçu plusieurs hommes de Dieu qui sont venus de partout, de l'Asie, de l'Amérique, pourquoi pas aux États-Unis d'Amérique, même au Miami, et même... beaucoup des hommes de Dieu qui sont venus de partout. Nous allons passer des très bons moments, des moments des impactations avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold. C'est ça. Vous avez dit que vous avez passé de bons moments, mais toi tu es en Afrique du Sud. Comment tu as été affecté par ce programme? L'homme de Dieu nous avait promis que ça serait en direct. Ça dit, j'ai suivi ça à partir de mon téléphone. C'était en direct. Je regardais ça dans mon portable. Ok. Vraiment, coup de chapeau à l'organisation d'abord. Moi, j'ai suivi par l'annonce de cet événement. Mais je me dis, bon, ça sera debout mon étonneur. Quoique je l'ai su après,
on a envoyé des invitations. Sinon, moi personnellement, Boloa, j'allais y assister même prochainement. Alors, il a donné encore le in out, il a expliqué c'est pourquoi le corps des ministères, les comment ça va se faire, ainsi de suite, les invitations. Tout s'est bien passé. Mais dis-nous un peu à nos téléspectateurs qui nous suivent, actuellement, qui est exaucé Pombo. Bonjour, Bananzambe, bonjour, Nandabiso, Bissikanyon, peut-être vous allez croire que tout y est bien, tout le monde a été. Exaucé sans fidèle, c'est l'un des enfants de Dieu au ministère amen qui coordonne notre père, l'apôtre, le Paul Mutombo, Kalombo, Azamo, Nanzambe. Après ça, bon, on n'est pas Yesu Masia. C'est ça que je peux dire, c'est ça. Je suis travaillé aux médias par la grâce de Dieu et j'ai été un intercesseur, un gagneur d'âme dans mon église. Et pourquoi ne pas dire dans le groupe de l'évangélisation au ministère amen. Ok, tu es toujours là en tant que serviteur, quoi que tu aies en Afrique du Sud. Yeah, je suis là, l'onction de mon père avec moi. Vraiment, très ravi. Exaucé Pombo, un serviteur de l'Éternel, ça fait combien de temps que tu es à Menti, à ministère amen? Ah bon, ça fait 8 ans que je suis au ministère amen. Ça fait 8 ans que je suis venu au ministère amen. Je te venais comme tout bon un païen qui était venu à l'église. Ceux qui connaissent mon histoire, je suivais une fille là qui priait au ministère amen, tout à l'heure à l'école Moko. Et pour avoir l'accès de parler avec elle, c'est pour cela, je commence au ministère amen avec des mauvaises pensées. Et quand je suis venu au ministère amen, écoutant cet homme de Dieu, l'onction de cet homme m'a impacté, m'a touché et ma vie a transformé. J'ai donné ma vie à Jésus, serviteur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont gagnés par mon évangile, par la grâce de Dieu. Tu suivais une sœur pour la draguer, et en écoutant la parole, tu as reçu Jésus. C'était comment le phénomène en question en quelques, quelques mots? Je suis venu au ministère amen, le colombo pagan, tout un païen. Et quand je suis entré dans cette église avec de mauvaises pensées, pour avoir l'accès de parler avec cette fille, et en écoutant les enseignements de l'homme de Dieu, les enseignements de l'apôtre et le Paul, mon père spirituel, et ma vie a changé depuis lors. Juste par la parole, pas seulement la parole, avec l'onction. Parce que dans la église, s'il vous plaît, à l'Emba Terminis, il y a plein d'églises. Je suis sûr qu'il y a des églises. Mes parents s'étonnaient pour mon comportement. Je fouillais l'école, je n'aimais pas l'école, je bouffais le frais scolaire. Mais tant que je suis tombé dans le ministère, amen, c'est alors que j'ai appris comment craindre Dieu. Non seulement pour avoir des bénédictions, mais pour mon salut. Ça dit que je serai enlevé à cause de l'enseignement de l'homme de Dieu. À cause de l'enseignement de l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, 8 ans là-bas. Mais tu sais, toi et moi, nos amis téléspectateurs qui nous suivent, Bazo Landabiso, Baton Nzambe, Bamoureux Nzambe, Bato Balinga Nzambe, Balinga Penzambe, Baza scandalisé, puis Bazalaka scandalisé, Bazo continue à vous scandaliser par rapport à l'apôtre Léopold Mutombo. 10 ans passés, 15 ans passés, l'apôtre parlait, prêchait la parole. Ben, chandelier d'or, il décortiquait le tabernacle. Mais il ne veut pas les phénomènes miracles ici. Mais toi, tu as presque 8 ans là-bas. Et comment est commun en Dengenin? Qu'est-ce qui était à la base de ces transformations? Merci beaucoup, Papa Boloa. Je pense qu'il y a 3 types de serviteurs. Il y a ceux qui servent Dieu par enthousiasme. Il n'a pas reçu l'appel de Dieu. Le deuxième type de serviteur, il y a ceux qui servent Dieu par conviction. N'oublions pas, Papa Josué. A bengama panzambe, tenzamba se révéla panayete. Mais à ça seulement convaincu, non, c'est un travail que je dois faire. Mais Dieu ne l'a pas appelé. Mais il y a aussi ceux qui sont appelés par Dieu par appel. Là, on les appelle les authentiques. Croyez-moi, Papa Josué. Nzambo to sambe la kale, Dieu de tous les esprits. Dieu ne peut pas t'appeler sans que ton ministère reste monotone. Ministère à Massapo. Vous voyez, le miracle qui se passe au ministère, amen. Moi, rationnellement, je ne sais pas expliquer le miracle. Je peux au moins essayer par la grâce de Dieu de dire le but de miracle. Le but de miracle au ministère, amen. Un, pour amener les âmes au pied de la croix. Parce que le miracle est biblique. Le miracle est biblique. Christ a dit, qu'est-ce que Christ a dit? Croyez en moi et vous verrez de miracles. C'est ça, c'est que c'est pas ce ministère, amen. Mais l'apôtre jusque là, c'est ce qui m'étonne que, bah, téléspectateur, tu es bien là qu'apôtre bon côté. Je voudrais qu'un zamba zani un zamba multidimensionnel. Mais bah phénomène d'abord magorodo, on est fou photo niatango.
Thierry Mboli, le phénomène Madio Gorodo, Nyoka, Kosandi Sabatu, tout ça. Bon, Jésus n'a pas fait ça, mon frère. Et puis quand tu parles de miracles, les bibliques, tout ça, est-ce que Jésus a bimsa de Mama Gorodo? Est-ce que Jésus a bimsa de Nyoka? Est-ce qu'on a vu ça dans l'évangile parmi les quatre évangiles? Merci, Madame Zambé. La question papa Bolo a posé, étant que moi, l'apôtre Léopold, je suis là avec vous. Et pour essayer un peu de vous parler ce qui se passe au ministère, amen, selon le phénomène Dieu de Moutombo, où est-ce que ça, ministère, amen, au bananon, soit en Zambie, monsieur Soubazon, dit ma monsieur Soubazon, bête à ma bakou. Papa, je suis Bolo, vous êtes en train de convaincre banan Zambie. Je convaincre tout le monde, mon sang, convaincre papa. Non, laissez-moi dire aux enfants de Dieu, Bolo, bébé, c'est le kété. Papa, je suis. Dieu appela Moïse, il a dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. Moi-même, l'Éternel, je suis descendu. Va. Qu'est-ce qui se passe? Na yo ki kole là-bas na Israël, nga moro na kiti, kende. Et pour envoyer Moïse, pour confirmer son appel, Moïse a dit, tu m'envoies auprès des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui me rassure? Ils me poseront, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël? Et l'Éternel le dira, qu'as-tu dans ta main? Moïse a dit, j'ai la verge, jette-les par terre. À Simbiango, ils ont été. Posons-nous des questions. Si alors certains enfants de Dieu m'expliquera cet phénomène surnaturel avec Moïse et Dieu, là je peux vous expliquer ce qui se passe au ministère. Mais parce que le miracle, académiquement, le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est le surnaturel, ce qui dépense l'entendement. Si moi et vous, nous arriverons à décortiquer, à illustrer les miracles, là ce n'est plus un miracle. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se cache mais qui se révèle. Dieu même est mystère. Comment le cerveau humain qui travaille pendant 24 heures arrivera-t-il à décortiquer Dieu, le Dieu de tous les esprits? Jésus a dit, si tu crois en moi, tu feras plus grand que moi. Hier, on n'a pas vu ces miracles. Hier, tu m'as dit Ligorodo et l'obito. Hier, tu m'as dit Nyoka et comme ils étaient zongi Nyoka. Lelo tu m'as dit Mbisezo Bima. Ça, c'est la dispensation. C'est la dispensation. Vous êtes convaincu, toi et moi, chers téléspectateurs. Je reçois pour vous l'un des fils de l'apôtre Léopold Moutombo Kalombo et un ministère. Amen. Tout ça, mais qu'un peu te réfléchir, ça va préoccuper beaucoup. Parce que pour le moment, comme je suis en Afrique du Sud, je n'ai pas encore la possibilité à recouter un apôtre parce que nous avons. Tous les temps qu'il y a à visiter Bissau Awa, mais je crois que Dieu voulant nous rendre l'occasion sur la Naïme. Moi, je suis à Awa. Je suis à Awa. Je suis à Awa. Je suis à Awa. Mais exaucé, c'est vrai. Est-ce que vous avez quand même que miracle, et ça pour n'a pas oui. Parce que le bien au monde, oui, miracle, et ça pour bien d'avoir une repentance. Mais si vous avez une démonstration, chaque culte, chaque événement, chaque conférence, il faut kaka, baba, tu vas sanzaka, il faut kaka. Donc c'est comme si vous avez un Congo, vous avez un malade, il mourra kaka. Nous parlons très bien, il faut bien assimiler les choses, papa, je suis. Moutombo qui par lui-même n'a pas le pouvoir d'opérer un miracle. Le miracle qui se passe au ministère, amen, est le miraculé, est l'église, et nous les fidèles, nous les découvrons ensemble. Parfois l'homme de Dieu est surpris. Nous avons la télé. Nous avons le média, il y a des caméramans. L'homme de Dieu fait de toutes façons de dépêcher les amis des équipes pour aller se voir, de constater qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ça ne se passe pas chaque jour. Ça ne se passe pas chaque jour. Mais pourquoi? Ce qui est bizarre est que, comme je t'ai dit, 20 ans passés, on n'a pas connu l'apôtre comme ça. Hein? Mais vous êtes au courant que les gens l'accusent. Kassimi Bakissi, à qui ça va si c'est ma bagégué? Bah phénomène moko boye ou peut-être na media bolak sa biso nyons touté et na ba culte moko privé salamaka tout ça mutakose le roi pota ou boye na boye tout ça. Comment on peut expliquer ça? Apôtre Léopold Nangolou en Zambé à l'époque, quand il parlait de chandeliers au tabernacle, au palais du peuple, la visitation divine, il y a un certain période Moussal en Zambé, il n'y avait pas encore la télé, mais le miracle s'est passé. Ça ne veut pas dire que notre Zou TV, à chaîne Amen TV, dès le miracle, ça commence à se passer. Non. À cette époque-là, l'homme de Dieu nous a raconté même, l'homme de Dieu nous dira, j'étais allé à Sumbula, à Mbujimaï. J'étais en train de prêcher le Dieu de mes apparitions. Il y avait une fille là, c'est une très jeune fille, Azarakana Sexité, à Botamana Sexité. Mais là, par la puissance de la prédication de l'onction de l'homme de Dieu, sexe zonga. Allez-y comprendre là où Dieu peut aller. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la chaîne.
Mais les choses se passaient déjà. Posez-moi des questions, papa Boloa. Ceux qui n'attendent pas l'abisso Oyo, ceux qui sont sur ma chaise à Zalaka, ils ont un Facebook. Ils ont un avion. C'est un moyen, c'est un canal d'évangélisation. Notre chaîne. Ce n'est pas pourquoi, non. C'est un moyen par la grâce de Dieu. Nous nous servons avec ça pour amener les âmes au bas de la croix. Car c'est ça l'essentiel. Exaucé, je crois que les téléspectateurs sont ensemble. Ils ont une préoccupation. Je n'ai pas de téléspectateurs à Congo Dialogue et puis à Mission Espace Dialogue. Exaucé, phénomène et culte à personnalité. Parce que je sens en toi, c'est comme si tu incarnais l'apôtre Léopold Mutombo. Et même quand je suis notre frère, le pasteur qui est pasteur aujourd'hui, Didier Mayamba, je vois, c'est comme si Mélissi Bino apôtre, Léissi Bino apôtre, et puis c'est tout c'est centré sur l'apôtre Léopold Mutombo. On m'a dit quelque part, dans ma sens, l'un de Mogoboué, Mutombo la Mutole, Mutombo la Jésus. Non, papa Boloa, photo le Baramaramou très bien parce que Payen Bazolanda Bissou, l'apôtre Léopold n'est pas un dieu. Mais c'est un homme de Dieu. Moto Nzambe. Surtout le Longoli 2 est comme homme Dieu. C'est-à-dire Moto Nzambe. Il est l'image de Christ. L'apôtre Paul n'est pas un Dieu. Vous lisez la Bible. L'apôtre Paul a dit quoi? Je me suis présenté avec vous, n'est-ce pas? Vous m'avez réussi comme Jésus. Mais il n'est pas Jésus. Il peut arriver, on reçoit l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, comme un Dieu. Tant qu'il n'est pas Dieu. Mais tu as loko Nzambe. Parce qu'il est écrit dans la Bible, l'apôtre Paul a dit, vous m'avez reçu comme Christ. L'apôtre Paul n'est pas un Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il faut très bien assimiler les choses. Non, je comprends, on veut bien assimiler, mais le culte des personnalités, vous êtes censé, c'est comme si c'est lui qui est la machine que Dieu utilise. Au lieu maintenant de donner gloire à celui qui utilise la machine, vous trop des éloges. Nzambe Mutombo Kalombo. Nzambe Mutombo Kalombo. Nzambe Mutombo Kalombo. Or, dans l'ancien temps, Dieu sait seulement, il disait toujours que nous avons visité Nzambe na Abraham, na Jacob et na Isaac, na Yaakobo. Mais maintenant, vous voyez sur le bateau que vous avez dit que vous avez dit que Nzambe Yesu, tout ça. Vous avez la Bible. C'est complet. Expliquez-moi. C'est un péché de dire le Dieu de l'apôtre. C'est un péché. Non, l'incarne. L'apôtre de Paul. Il n'est pas musicien. Non, c'est un serviteur. Un joueur. C'est un serviteur. C'est un péché comment? Mais les éloges que vous lui donnez. Moutayen à l'église. Elle souffre. Elle est à l'hôpital. Juste avec la photo de l'homme de Dieu. Pourquoi on appelle ma photo dans ma blog, sticker? Je ne comprends pas pourquoi on a précipité Mbaramoro. Le Dieu de l'apôtre et le Paul. C'est-à-dire il rappelle les dieux. Ça doit t'aller itinéraire. Parce que c'est temps de la fin. Les occultistes ne se cachent plus. Les francs-maçons, ne disent pas que les dieux des occultistes, et il a dit, Élisée l'a dit plutôt, quand Élie, il est enlevé, il a dit, pour que la Jourdain, la mer de Jourdain puisse se traverser, il a dit, où est le dieu d'Élie? Il a vu des choses. Parce que c'est biblique, papa, je suis. Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu d'Osborne, le dieu de Moussa et d'Inabala. Pourquoi ne pas dire aussi aujourd'hui les dieux de l'apôtre? Pourquoi ne pas dire seulement les dieux, le Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui guérit tout? Mais pourquoi encore hier dans la Bible on a dit les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac? Mais toi, tu as le combat de dispensation, exaucé Nanga. Le combat de dispensation. Ça, c'était le temps de la loi, le temps que Dieu utilisait les hommes de Dieu, les prophètes, Eli, tout ce temps, Bakombo, Abraham, mon agneau, tout, n'est-ce pas? Alors, les lois où Jésus a saillé, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que même l'apôtre Paul nous dit? Est-ce que l'apôtre Paul, tout ce qu'il a fait, Pierre, Babloto, Salakiwana, exaucé. Est-ce que ils ont dit que non, le Dieu d'apôtre Pierre, le Dieu d'apôtre Paul, tout ça. Papa, je vois dans la Bible, c'était à Lystre, l'apôtre Paul prêchait. Pour ce moment-là, l'apôtre Paul n'est pas Dieu. Malgré qu'il est allé au troisième ciel, qui a vu ceci, cela, il a écouté des paroles. Papa, je suis, qu'est-ce qu'on a vu dans la Bible? L'apôtre Paul, en train de prêcher, il s'est trouvé un paralytique. Il fixa les yeux de l'apôtre Paul avec foi. L'apôtre Paul, disant des paroles, et la personne s'est rétablie, commence à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? Nous avons réussi des hommes de Dieu. Comme des. Ça dit, ton moni nzambe en personne. Mais comment on a un niveau idole? Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a eu là-bas? Ne m'adorez pas. Je suis seulement un simple homme. Ce qui se passe au ministère, amen. L'apôtre Paul nous dit aussi
Je ne suis pas un Dieu, mais je suis juste un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'un serviteur? C'est un moyen par lequel Dieu peut utiliser pour bénir son peuple. Mais pourquoi ne pas élever celui qui a appelé cet homme-là? Tu as bien dit. Apôtre, pourquoi ne pas aussi apôtre Léopold Moutomba, pourquoi ne pas seulement te limiter à Jésus-Christ soit Seigneur, Jésus-Christ soit Dieu, règne à jamais, de la manière dont tu as utilisé ton serviteur. Un point d'entrée. Papa, je suis dans ma révélation. Aux choses de Dieu, il faut avoir la révélation. Jésus, en train de marcher, il y avait une foule qui l'entourait de manière surnaturelle. Une femme souffrait. Elle s'est dit en lui-même, on n'a pas vu ça dans la Bible. Or, c'est interdit. Motazo bela maladie, on a Simba et Lamba ya Yesu. C'est interdit, vous connaissez les Écritures. Mais la fille a dit quoi? Si je mange, puis toucher la pente de ses robes de cet homme, ah, je pourrais être guéri. Si la personne aujourd'hui, l'apôtre Tine d'Arabie, je te disais le Dieu de l'apôtre, non. Mais la personne lui-même, par la révélation de la Bible, comme je viens de dire tout à l'heure, où est le Dieu de l'apôtre? Le miracle s'est passé. Lui-même, la personne, il a eu la révélation. Parce qu'aux choses de Dieu, il faut avoir la révélation. Aux choses de Dieu, il faut avoir la révélation. Branchez connecté dans www.com. C'est Josué Boulot à l'international. Je reçois pour vous le frère Exaucé Mpumbu. Venant du ministère, amen, nous sommes ici avec lui en Afrique du Sud. Des questions à poser, qui reviennent encore, vous êtes la bienvenue. Bobinga numéro dans un petit écran. Facebook, c'est Josué Boulot, YouTube, c'est Congo Dialogue. Petit à petit, toujours pour s'en aller, malin, peut-être atterrir, dans moins d'être outil, colo, la superficie, mon robot. L'icône, ma photo, hein? L'icône, ma à cette église, je prie là-bas, je travaille comme un caméraman et je suis comme un achat. Voilà. Le bien-aimé, il me parle de votre père, le Sud-Africain. Si les Sud-Africains, certains se posent même des questions. Comment apôtre Léopold Azakata Sud-Africain t'es? Mais, ok. Mais entre-temps, Nambo Kanabiso, un sujet des angires. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, la Bible dit là où le péché est abondé, la grâce a surabondé. J'ai suivi à l'internet un certain frère qui est en train d'inciter l'homme de Dieu, Tato Tambo Nzambe, plus de 42 ans au ministère. Amen. Au ministère. Muto Tambo Nzambe, ensemble plus de 40 ans. On nous a évangélisé Roger Baka, c'est ça. Roger Baka, bongo le motema malo papa, va bien. A bongo la motema wapi. Nana benga na lotomo. Yébi Roger Baka, depuis une église, tu parles de qui? Parce que c'est lui qui attaque souvent. Celui qui s'attaque souvent et s'attaque de l'apôtre. Il s'attaque pas à l'homme de Dieu, il s'attaque à l'onction. Il s'attaque à l'onction. Parce que l'homme de Dieu ne réagit pas. Et ça, le quoi, m'toubetabobetabapas. Yo petit m'toupas, a gelé ballon. Comme un Roger Baka, le barana, la télévision sur l'homme de Dieu, ça, le kouta. Je vois souvent l'internet, tozui, monsieur, ko bimi sabatou na l'église, papa, je suis. Est-ce que Yesu Masia. Ayakana mission ko bimisa bana kati église. Il a yozo douté appel ya Roger Baka, c'est ça. Papa, je n'ai pas cité le nom de quiconque. Please, épargnez-moi de ça. Épargnez-moi, je suis loin. Je n'ai pas cité le nom. Je dis j'ai écouté à l'internet. Papa, je suis. Les magiciens témoignent. Na côté papa na binwa le kaka. Nanzela na chanzaranzela. C'est pas moi, c'est les magiciens. Ou t'as l'image, il y a Aïcha Okoko. Vous avez vu ça? Un magicien de Nji, Azan Nji, Zouabie qui t'a dans Kinshasa. Aïcha. T'es un Zouabie, t'es apôtre Tine Langabie, apôtre, hein, pasteur Didier Mayamba, apôtre Talara Yen Thomas Likolo, pasteur Didier Mayamba, Tine Langabie, Josué Boulot l'international, l'homme de Dieu, n'a quitté, pendant n'a quel an de magicien, on a face à face, tout ça, une émission, tout témoigner, tout témoigner, parce que ça, média. Hein, média, c'est le cabot à Saint Thomas. Je ne pas supporter. J'ai reçu plusieurs journalistes pour me poser des questions. Je ne voulais pas. J'ai demandé l'autorisation à mon pasteur Didier Mayemba. Il me l'accorda. Pourquoi je suis là pour réagir? Je ne suis pas là pour réagir, mais pour démontrer un peu des choses. Batato batambol nanzambe. Oui, bien, généalogie, apôtre de Paul, bien, le fils de Moussa Dinabala. Vous connaissez le ministère et l'histoire de l'impact de cet homme de Dieu, la Moussa Dinabala. Et cet homme de Dieu, la Moussa Dinabala, l'apôtre de Paul Moutoum, par la grâce de Dieu, a eu la chance d'interpréter cet homme. Il prêcha en Chouali, l'apôtre interprété. Comment Moutoum a bon ou y a surnaturel? Apôtre de Paul, ou Melanama Kolonaye, vient nous à la gare ordinaire. Il a basculé de naturel à extraordinaire.
Je ne pouvais pas supporter, papa Josué. Batato batamboli na nzambe. Là où le péché t'a abondé, la grâce a surabondé. Parce que quand tu as dit que tu as dit apôtre, tu as dit que 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 tu Papa Josué, je n'ai pas de réponse à vous dire par rapport à ça. Si tu ne crois pas que l'apôtre est un homme de Dieu, gloire à Dieu. Mais, le ministère n'est pas là. Mais il y a de gloire en gloire, de bica en bica. Je suis espace, je ne sais pas. Est-ce que tu as limité à nous aussi, Bimba? Dans même IDP, il faut pas qu'il y ait un dixième, il faut qu'il y ait une permanence à ministère. Amen. Pour m'aller, je vais pousser la première rue. Tant que je suis dans la première rue, pour l'église, je suis dans la première rue. Donc, il y a un problème. Pour 8e, 7e, 6e, 4e, 5e, je vais pousser l'église. Vous croyez que c'est. Les... S'il vous plaît, au ministère, amen, il y a des professeurs des universités, il y a des intellects, il y a des ministres. Il y avait une sœur de la jeunesse, je la connais très bien, Anote Kapoto-Poto. J'ai appris à l'église, elle est devenue ministre des provinciales. Au ministère, amen. Au ministère, amen, il y a des professeurs d'université, il y a des députés, il y a des hauts cadres. Vous croyez que ces grands hommes, ces grands hommes qui viennent au ministère, amen, pour être bornés par l'apôtre et le Paul? On ne sait jamais. Nous sommes Yebi. Exaucé, on se sent presque peut-être à la fin de notre intervention. Vraiment, grand merci, Nathan Ayo, vraiment, et je suis très ravi, je sens la défense. Par rapport au miracle, je vais encore ajouter une pensée que Dieu m'a inspirée à l'instant. Nous avons vu dans la Bible, parce que par rapport aux gens qui disent, qui me posaient des questions sur WhatsApp, « Ndere nimbi se kobi malalo koloa moutou » Là, au beau sein que vous posez, « Mbi si, mbi se vanda ki wapi, li koloa moutou komi fleuve » Souvent, les gens qui me disent, qui m'écrivent. Je voulais un peu répondre à ces bien-aimés. Hier, nous avons vu dans la Bible Jonas, Moutou, Nena Kata Mbis. C'était hier. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir Mbis na Kata Likola Moutou. C'est la dispensation. Afin que les. Les gens se focalisent. Papa Josué, les gens se focalisent trop. Bazo se focalise car on a Mbis. Mais ils ne se posent pas qu'est-ce qu'est devenu la vie de cet homme. Qui était avant et qu'est-ce qu'il est devenu? Là, les gens n'en parlaient pas. Pour terminer, Exaucé, on me fait signal qu'on a vraiment débordé notre temps. Pour terminer, Exaucé, est-ce que le ministère amène, prend le temps de faire les suivis? J'ai dit les suivis de tous ces gens-là. Au bas, c'est un miracle. Parce qu'en Afrique du Sud, vous savez, we got a fake miracles. Est-ce que le ministère amène où il y a un département approprié où il y a un de la suivi à Batona? Pourquoi tout le monde a un côté? Papa, je suis là, il faut me poser des questions pour être mieux placé à vous répondre. Tant que moi je suis là, malgré que je vous parle à l'émission, je suis aussi suivi par mes encadreurs. Au ministère, même, il y a des serviteurs de Dieu que l'homme de Dieu a placé pour être là, pour être une réponse aux besoins du peuple. Ils sont là. Il y a les suivis au ministère, amen. Dans tous ces gens-là qui sont touchés par l'onction. Si nous avons suivi, l'église comme le ministère, amen, qui est suivi partout dans le monde. Comment ne pas voir le. Comment tu en as suivi? Depuis à Téléman, tout le monde a résouté l'église à Capé Souté. Donc c'était juste one man standing et puis c'est tout. Alors, votre mot de la fin pour aujourd'hui, je crois qu'on aura tant de deux jours. Mais comme je suis là, par rapport à ce qui s'est dit et par rapport à ce que moi je n'ai pas pu poser comme question et que le Seigneur vous avait mis à cœur pour en clôturer. Merci beaucoup, les enfants de Dieu. Vous nous regardez de partout. Nous allons passer de très bons moments. Nous avons vécu le ciel en étant sur la terre. Nous disons toujours parcours normal. Merci à vous, vous qui êtes restés branchés à nous écouter pendant ces moments. Nous donner un peu l'opportunité de parler, de débattre, de se questionner par rapport à ce qui se passe au ministère. Amen. Venez expérimenter la main de Dieu, de cet homme de Dieu, et vos vies ne seront plus la même. Croyez-moi que vous serez touchés par cette onction de gloire à gloire et de succès à succès. Allez de gloire à gloire et de succès à succès. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il a tout dit, presque, si pas tout, mais dis-moi vos préoccupations par rapport à ce qui se passe au ministère Amen et surtout ce qui se passe ici en Afrique du Sud. On a vu des miracles, des résurrections des hommes et des femmes, tout ça ici. Et maintenant, les gens ont posé la question, on voit les actions qui se passent, les démonstrations de puissance qui se passent au ministère Amen que dirige l'apôtre Léopold Moutombo. Les commentaires, les propos qui ont été émis ici engagent que mon invité aujourd'hui. Je crois que si vous êtes bénis, convaincus,
ou pas convaincu, écrivez-nous, appelez-nous. Je crois que le numéro de Exaucer Mpumbu sera affiché dans vos petits écrans jusqu'à un prochain numéro. Grand merci à la maman Francine Nguyen de la Belgique. Merci à toi aussi, le pasteur Didier Mayemba. Je te remercie encore, Mayemba, je m'excuse. Le pasteur Didier Mayemba, Tumbishai. Le pasteur, l'autorisation, Pesito Salemission à Ndeko Nabiso, moi, Nabiso, frère Nabiso, Mosai Nanzambe, en Afrique du Sud. Grand merci aussi à l'homme de Dieu. L'apôtre est Paul Mutomboka, l'homme des chandeliers. Parcours normal. Parcours normal. Bon, je crois qu'il y a tant d'autres questions que moi, personnellement, j'aimerais vous voir live au studio. Na plateau, tout sur la soute, très bien. Mais dis-moi, les réponses ont été données, bien répondues, avec sagesse, avec conviction, avec l'onction. Avec l'onction. L'onction. Impactation de l'onction. Et ça, c'est comme l'onction. Voilà, merci beaucoup. Elle comme à peine. Na ministère pour mikota na bengete. Il faut nzamba benga yo. Et donc nzamba kotu sona lotomo. Ta vie ne peut pas être comme les gens. Tu peux partout tu iras, tu dégageras. Je suis surpris de voir les Sud-Africains m'écrire, papa je suis. À suivre. À suivre. Voilà, merci à Thierry Mbolisation. Thierry Mboli pour la prise de vue. Merci à Sean Moulumba, bienvenue qui était à l'assistance. Merci à maman Francine Nguyen de la Belgique pour la coordination. On se retrouve à la fois prochaine. Tant de questions à poser. Je vais inviter encore cet homme de Dieu ici, Tovanato Solai Soussou, par rapport à ce qui se passe au ministère Amen. Coup de chapeau encore à toute l'organisation. Il y a l'école des ministères internationales qui s'est passée la semaine ici, à niveau à Kinshasa. Et je crois que prochainement, nous serons peut-être des invités pour tout le temps, la paix, vivre. Marambozo Salamokoum. Restez branchés, bye. Que Dieu vous bénisse. Je te rappelle, le monde dans lequel nous sommes est un champ de bataille. Prie, décide-toi de mettre les gants. Bats-toi à chaque étape de la vie. Même si tu as les premiers signes, continue à te battre. Fonce. Et tu connaîtras des choses qui se cachent de l'autre côté. Parce qu'il a dit, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas.